Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Zach 17 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gameplay sur Tribasen de la classe la brute. Alors qu'est-ce que c'est la brute? Eh bien c'est ce gros là qui est en fait comme classe principalement celui qui va défendre l'intérieur de votre base. C'est celui qui va défendre le générateur et tout ça, et tous les techniciens, enfin tout le bordel là. Il peut être aussi en assaut, enfin il peut aussi attaquer, mais il est mieux en défense, ouais. Largement quand même. De toute façon, dans le gameplay que je vous ai filmé, oui, parce que je voulais filmer, c'est-à-dire là je vous présente juste l'équipement que je vais utiliser, et puis après je vous laisserai sur le gameplay, je parlerai pas à rien. Donc voilà. Alors. En arme principale, vous commencez avec le Blaspan Fuser que je vais garder. Ah oui, parce que je vais vous montrer principalement dans les petits gameplays. Dans ces petits gameplays là, je vais vous montrer, mais que avec les armes qu'on a dès le début, en gros. Pas avec des armes achetées. Bon, bien sûr, la brute, si j'en ai déjà des achetées, je vais pas changer parce que les autres armes sont vraiment, mais vraiment, vraiment, c'est du caca. Donc je vais rester sur ça. Donc le Heavy Span Fusor, donc l'arme qu'on a tous dès le début, et qui est franchement celle qui fait le plus de dégâts. Enfin, à part le Gladiator, qui lui fait 100% de dommages, mais il y a un laps de temps avant de tirer. Enfin, quand les balles sont. Elles explosent en fait, voilà. Il y a un laps de temps avant que les balles explosent. Donc voilà, lui il l'amène à fond. Et le Devastator Span Fusor qui est exactement. Pareil que le premier, mais en rouge. Et en plus, il fait moins de dégâts. Ce qui sert strictement à rien, en fait. Alors ensuite, en arme secondaire, nous avons au tout début le Automatic Shotgun. Qui est vraiment, vraiment à chier. Comme le Nava Colt et comme l'autre shotgun, le même shotgun, mais en rouge. Bon, il fait un peu plus mal, mais bon, quand même. Donc, comme ça, au moins, j'ai mis les termes. Enfin, l'arme que j'ai acheté là, cette fois-ci, c'était le plasma canon. Je l'ai acheté avec du gold. Oh, c'est pas bien. C'est un pigeon. Oui, c'est un pigeon. Donc voilà, il est amélioré à 100% et il fait franchement mal. Et vous pouvez voir dans le gameplay que bah, il m'a servi à une ou deux fois. Donc voilà. Ensuite, les grenades. Donc les grenades, tout le monde commence avec ces grenades-là. Mais mince. Ces grenades là, vous les connaissez tous, c'est les petites grenades vertes qui flottent et qui tirent partout et qui font excessivement mal. Je vous rappelle que j'ai 2800 points de vie et que une grenade comme ça peut me tuer. Voilà. Hein. Donc oui, elles sont améliorées à 100%. Ensuite, il y a les Light Sticky Grenades qui sont à peu près les mêmes grenades, je crois, que l'infiltrateur, mais un peu léger, dont le nom Light. Que j'ai pas amélioré, et enfin les mêmes grenades quand même, mais en rouge et qui fait moins de dégâts, donc je les ai améliorés aussi. Parce que là voilà, j'ai tout dit. Ah voilà, pack. Donc le pack, autre chose que j'ai acheté, c'est Survival Pack qui il vous le faut en fait. Il vous le faut parce qu'il vous donne plus de sang de vie, vous courez plus vite et votre énergie remonte 15 fois plus vite. Voilà, comme ça, moi. C'est direct. J'ai rien d'autre à dire. L'armure est tout upgradée. Plus 100 et plus 108, c'est une armure basique, on va dire. Bon, à part les deux plus 108, c'est une armure classique avec la régénération et l'énergie. Voilà. Ensuite, les perks. Le premier perk, je l'ai pas fait, mais le deuxième, voilà. Ça, c'est autre chose que j'ai acheté, c'est le dernier. C'était le survival, c'est ce qui va vous permettre de vous déplacer pas plus vite mais plus légèrement. C'est-à-dire les mouvements et tout le bordel comme ça, ça sera plus léger. Mais vous n'allez pas aller forcément plus vite. Bon, enfin bref, je crois que j'ai tout dit pour la brute. Le skin d'ailleurs. Ouais. Il est bien moche quand même, faut avouer que j'aime pas du tout. Enfin bref. Donc je vous ai tout dit pour l'équipement que je vais utiliser, que j'aurai, non,
Oui, que je vais utiliser pour le gameplay. Et donc voilà, on verra. Oui, j'ai aussi un skin d'infiltrateur assassin. Ce qui me fait penser à Star Wars The Old Republic, le Sith dans l'histoire, avec la capuche et les yeux rouges comme ça. Ça m'a fait bien rire. Donc, la partie sera du Capture the Flag, c'est sur Drydock, je crois, d'ailleurs, bah oui. J'ai fait plutôt une bonne partie, de toute façon c'était le gameplay était fait pour ça, pour montrer quand même une assez bonne partie en brut, qui est très simple, hein. Je vais être dans la base et je vais faire des rondes, tout simplement. Et oui, c'est un peu ça le but de la brute. Hein. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne vidéo. Un bon gameplay quoi. Non, une bonne vidéo plutôt. Et donc voilà, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, merci. Et ciao ciao. Et je crois que je vous laisserai sur à la fin sur le tableau des scores. Enfin, bon. Enfin voilà. Allez, ciao ciao, tchuss tout le monde. Honor will be sacrificed this day. The butchers have our flag. Retrieve our flag! Defend our generator! Heavy hostile around our base! Blood Eagle has secured their flag. Our flag has been captured. Our generator is back online. We have the Blood Eagle flag. Blood Eagle has secured their flag. Our flag. Our flag is secure. Blood Eagle has our flag. Our generator has been destroyed. Our flag is secure. We have captured the Blood Eagle flag. Eagle flag. Our generator is back online. The butchers have our flag. Our flag is secure.
have captured the Blood Eagle flag. Blood Eagle has our flag. We have captured the Blood Eagle flag. The Butchers have our flag. Our generator is back online. We have the Blood Eagle flag. Our flag is secure. Blood Eagle has our flag. Our flag is secure. Blood Eagle has our flag. Our flag is secure. Nansu boss, victory will soon be ours. We have captured the Blood Eagle flag. The Butchers have our flag. We have the Blood Eagle flag. Our flag is secure. Good game. For the circle.